Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors jusqu'à 21h30, nous allons décortiquer ensemble l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine et du week-end. Du football évidemment, mais pas seulement. Hein, non, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses sur la planète sport. Et on est ensemble pour en parler. Eh bien, je vous propose tout de suite de regarder le sommaire et de découvrir ce qui vous attend dans NCI Sport. Au sommaire de NCI Sport, grosse déception ce week-end, les éléphants U23 ne participeront pas aux Jeux Olympiques 2024. Quelles sont les raisons de cet échec? On en parle dans Pleine Lucarne. À 20 jours de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, où en sont les lions indomptables? Réponse dans cette émission. AFI UFPCI, bataille au nom des joueurs. Zoro Marc, le président de l'UFPCI, va s'expliquer, c'est l'invité du jour. Bonne soirée avec NCI Sport. Et oui, on est déjà à J-20 de la Coupe du Monde Qatar 2022 et je peux vous assurer que toute l'équipe de NCI Sport travaille fort pour vous permettre de vivre cette Coupe du Monde comme si vous y étiez. Et vous savez que la Coupe du Monde est à vivre en exclusivité sur NCI. Alors nous, on n'a pas attendu le début de la compétition pour mettre les petits plats dans les grands. Non, ce sont les meilleurs à leurs postes respectifs, nos consultants qui vont vous accompagner pendant cette heure de sport. Bonsoir, monsieur Babou Eric. Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Bon, en forme? Ouais, très en forme. Ok, super. Et de l'autre côté de la table, on a Nasser Eddy. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oh là 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 là, j'adore quand vous faites ça. Regardez, je le prends et puis je le place sur ma joue, comme ça. Bon, écoutez, messieurs, on a du pain sur la planche. Il s'est passé plein de choses cette semaine. On est là pour en parler et on commence tout de suite avec la première partie. C'est Pleine Lucarne. Alors, Pleine Lucarne, c'est un petit peu cette partie qui va nous permettre de traiter de l'actualité dans sa généralité. Et ce soir, on avait envie de vous parler taekwondo. Oui, la Fédération sénégalaise de taekwondo a organisé les 15 et 16 octobre dernier la deuxième édition de l'Open International de Dakar au complexe sportif Dakar Arena de Damia Diao. Plus de 400 personnes composées de combattants, d'officiels, de délégués techniques, venant de plusieurs pays du monde, se sont retrouvés, oui, pour ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler une des plus belles compétitions de taekwondo du continent. Au même moment se déroulait la deuxième édition de l'Open International de Karaté de Dakar au Stadium Marius Ndiaye. Une belle rançon pour les athlètes ivoiriens qui sont revenus avec deux médailles. NCI Sport les a suivis à l'entraînement. Eh bien, regardez. Première expérience internationale et première médaille d'argent pour Jean-Ézéchiel Kwame. Le taekwondoïen ivoirien ceinture noire première dan est rentré satisfait de son expédition sénégalaise. Une compétition sanctionnée par la Fédération mondiale du taekwondo est classée deuxième. Elle permet donc à l'athlète de récolter 12 points au ranking mondial. Première compétition internationale et première médaille internationale, la médaille d'argent, c'est énorme. C'est énorme, c'est une belle satisfaction en soi. C'est vrai que la médaille d'or aurait été parfaite, mais bon, ça va. C'était une première expérience pour lui sur la scène internationale. Nous sommes partis avec 5 athlètes. Je ne savais pas qui allait pouvoir me remporter une médaille ou même qui est-ce qu'on aurait pu remporter une médaille. Mais l'expérience était très enrichissante. Au terme de 4 combats, il a obtenu donc une médaille d'argent après avoir battu certains athlètes très expérimentés. Et il s'est fait battre en finale, mais il n'a pas démérité. Le combat était très serré. Je pense que le manque d'expérience a joué. On ne peut pas refaire l'histoire, mais mon cardio m'a lâché à la dernière seconde. Ironique, hein, oui. Mais disons que ça fait partie du jeu. Et les prochaines fois, en fait, je serai mieux armé pour l'échéance. Une seconde place qui n'entache en rien la motivation et les ambitions d'Ézéchiel Kwame. Ce que je retiens de cette première expérience sur la scène internationale, c'est qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Quand on ne sort pas, quand on est chez soi, on imagine que ouais, on est fort et tout, mais lorsqu'on sort, c'est autre chose. Le monde est bien plus vaste et il y a des athlètes bien plus forts qu'on imagine. Et là, il faut être mieux préparé, il faut être armé de toutes ses armes pour aller à la guerre. C'est une première médaille, c'est énorme, mais ça me laisse encore une grande motivation parce que je me dis qu'on a beaucoup de choses à faire. Côté
Côté karaté, c'est Kennedy Ba qui s'est illustré en ramenant une médaille de bronze ainsi que la coupe du meilleur combattant. Oui, je suis vraiment heureux et je remercie aussi mon coach et mes frères de l'équipe Evolution. Une médaille de bronze qui laisse un petit goût d'inachevé dans le cœur de l'international ivoirien. Aujourd'hui, c'était la médaille d'or, mais on essaie toujours de revenir avec quelque chose. Les jeux sont vraiment, vraiment jambes parce qu'ils sont, toujours en compétition. Voilà, c'est ça qui a fait la différence. Une belle expérience pour les combattants qui gardent en ligne de mire les prochaines échéances, à savoir les prochains Open pour Ezekiel Kwame et les championnats du monde en Afrique du Sud pour Kennedy Ba. Bon, ben on est fiers quand même de nos athlètes. Deux médailles, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, on les félicite. Alors, messieurs, quand on regarde ce reportage, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même encourageant pour le taekwondo ivoirien? Mais forcément, c'est encourageant, Tia. D'autant plus que la Fédération ivoirienne de taekwondo, on l'a peut-être pas signifié, mais ces athlètes-là n'ont pas été financés par la fédération, donc ce déplacement-là. Mm-hmm. Et c'est d'autant plus... On ne va pas utiliser le terme miraculeux, mais franchement, c'est inespéré et ça fait vraiment plaisir. Voilà. La Fédération ivoirienne de taekwondo traverse une impasse qu'on espère close depuis la récente réélection de M. Jean-Marc Yassé, de Maître Jean-Marc Yassé à la tête de la fédération. Et on espère que c'est le début d'une nouvelle ère à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais quand on voit de tels résultats, même dans la difficulté, on ose espérer que ça sera bien meilleur en eau calme. Alors, vous l'avez signifié, les athlètes sont partis non pas sous la houlette de la Fédération, plutôt, je dirais, sous la houlette d'une initiative personnelle de la part de Maître Lawson, qu'on a vu dans cet élément. Je voudrais qu'on l'écoute, il nous donne quelques explications. Première compétition internationale et première médaille internationale, la médaille d'argent, c'est énorme. C'est énorme, c'est une belle satisfaction en soi. Voilà, on va l'entendre. Bon. Ça va. C'était une première expérience pour lui. D'accord, alors le maître Lawson, on l'écoutera certainement dans quelques instants, voilà, qui a expliqué justement que voilà, c'était une initiative personnelle, justement avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dernièrement au sein de la fédération. Votre avis sur ce genre d'événement? Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelques soucis au niveau de la fédération, et je pense que, on va dire, qui est en train d'être réglé, parce qu'il y a eu l'élection du nouveau président, qui était le nouveau ancien président, on va dire. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau, ça va se régler. C'est une fédération, en général, qui performe. On sait qu'on a Ruth Bagby, on sait qu'on a Cissé de ce côté-là. Il y a de la qualité. Et puis là, on voit ces jeunes-là qui arrivent derrière, qui peuvent prendre la relève. Donc ils sont encouragés, ils sont félicités. C'est certes une initiative personnelle, mais je pense que derrière, les choses vont se régler. D'accord. Allez, on va pouvoir écouter Maître Lawson qui nous donne des explications. Allons-y. Au titre de mon académie personnelle, l'académie Evolution, qui est un centre de formation en taekwondo et également karaté. Donc nous avons des athlètes de taekwondo et de karaté. Pour l'Open de taekwondo du Sénégal, nous avions donc 5 athlètes de taekwondo. Et donc c'est à titre personnel, encore une fois, que je suis parti, où j'ai décidé sur fonds propres d'accompagner mes athlètes. Alors ce ne sont pas des athlètes qui sont en équipe nationale. Quoique Kwame Jean-Ezekiel a déjà fait des sélections nationales, donc c'est un athlète qui avait déjà du fort potentiel, mais ce sont des athlètes en développement. Voilà, on évoquait le cas de la Fédération de taekwondo, mais il y a la Fédération également de karaté qui n'a pu accompagner justement son athlète. Oui, mais je pense que pour rebondir sur ce que disait Maître Lawson, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, il essaye peut-être de justifier le fait qu'il ne soit pas parti sous la bannière nationale, et donc ceci expliquerait cela, qu'il n'ait pas été financé et tout ça. Mais on voit en football, quand les clubs ivoiriens sont engagés en compétition africaine, c'est bien le ministère des Sports qui finance le déplacement par le biais de la fédération, qui finance le déplacement des clubs. Donc ici, moi je me dis, cette compétition avait lieu le même week-end que l'élection à la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est vrai, on va dire l'administration, c'est une continuité, mais pour ce genre de fédérations qui n'ont pas forcément de très très gros moyens
et qui ne sont pas très calibrés administrativement, il peut y avoir des empêchements, et ceci explique sûrement cela. D'accord. Bon, en tout cas, on loue l'initiative hein, quand même de mettre Lawson. Alors, rapidement, hein, en ce qui concerne la tête Kennedy Bah, hein, qui est revenue avec une médaille de bronze, qu'est-ce qu'on sait de ce jeune athlète? Mais Kennedy Bah, quand même, il est 8 fois champion de Côte d'Ivoire, il est 4 fois champion ouest-africain, il est même médaillé au niveau africain, donc c'est une valeur sûre du karaté ivoirien, et sa médaille n'est pas surprenante du tout. Voilà. Eh bien, on est très fiers de nos athlètes et on est ravis de vous les faire découvrir ce soir dans NCI Sport. Alors, passons à un autre sujet hein, qui fait l'actualité. C'est bien évidemment la CAN U23. Et oui, on peut le dire, hein, c'est la désillusion. Hein, vice-championne d'Afrique en 2019, la Côte d'Ivoire sera absente à la CAN U23 prévue au Maroc en 2023. Et pour cause, ce samedi, au stade de Yamoussoukro, la bande à Emers Faïk a vu son rêve s'envoler après le nul 1-1 lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23. Alors qu'ils avaient besoin d'une petite victoire après ce nul 0-0 obtenu à Niamey le 22 octobre dernier. Quelles sont les raisons de cette énorme désillusion? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos consultants. Alors, messieurs, bon, ben voilà, on peut le dire, hein, on est tous très déçus. Mais avant d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, moi, je vous propose de regarder ben, les buts qui ont malheureusement éliminé hein, la Côte d'Ivoire. Voilà, on voit. Voilà, messieurs, j'imagine que vous avez suivi hein, la rencontre. Oui, évidemment, vous constatez, il y a beaucoup de légèreté. Hein, tout ce qui se passait, ouais, le but est arrivé très facilement. Et le marquage était laxiste. Il n'y avait pas d'engagement dans les actions, vous voyez. Hein, et ça nous a coûté très cher, ce but-là. Alors vous, vous étiez à Yamoussoukro, hein, Eric? Non, malheureusement, mais j'ai suivi le match quand même. Ah ben pourquoi j'ai cru vous apercevoir à Yamoussoukro? Ben, vous avez un jumeau peut-être ouais, là-bas. Sans doute. Sans doute. Mais j'ai suivi et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de facilité hein, côté Niger. Il n'y avait pas cette envie. De toute façon, c'est récurrent avec les éléphants et les éléphantaux. Cette envie d'aller chercher le résultat a beaucoup manqué dans cette équipe. C'est bien dommage parce qu'on avait l'opportunité hein, de faire un très bon résultat. Déjà avec ce match nul à l'aller, c'était une bonne chose. Là, c'est vraiment... C'est une déception. Oui. C'est clairement une déception. Bon, alors, est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario, Nasser Eddy? Non, honnêtement, et je pense qu'on le disait sur le plateau la semaine dernière, on prévoyait une qualification de nos éléphantos, surtout mm-hmm. après le 0-0. C'est vrai, un peu miraculeux. Arraché du côté du stade Séni Koutché de Niamey. Et là, il y a eu plusieurs facteurs qui ont emmené à ce résultat, on va dire ça comme ça, okay, du alors... choix des hommes, en passant par, même dans le jeu. Alors, le choix des hommes, commençons par là. Le choix des hommes, oui. Pour vous, on aurait pu avoir des meilleurs joueurs pour la rencontre ou pas? Bon, clairement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans une fenêtre FIFA. Et du coup, c'est compliqué d'avoir à disposition certains joueurs, notamment qui évoluent en Europe et qui sont en pleine compétition et que les clubs ne voudraient pas forcément s'en séparer. Et d'ailleurs, il y en a qui sont très performants, comme Konaté Karim avec son club de Liefering. Mais même sur le choix même des hommes sur ce match, moi, je me demande, quand je vois notamment ce but qu'on encaisse, qu'est-ce qu'un Issa Fofana, un gardien de but, fait sur le banc de touche à ce moment-là? Il nous a sauvés au match aller. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur gardien ivoirien de sa catégorie. Bon, vous avez une réponse? Vous savez pourquoi il a été mis non. sur le banc de touche? Non. Mais voilà, il y a quelques choix comme ça. Koulibaly Souleymane, qui est le capitaine hein, et défenseur de la SEC, qui pour moi, depuis plusieurs matchs avec la SEC, est carrément dedans. Il est titulaire, il est capitaine. Le but vient également de son côté, même s'il n'est pas directement dans la confrontation avec le buteur. Mais il y a beaucoup de choix comme ça qui laissent perplexe. D'accord. Oui. Certains reprochent au coach, hein, au sélectionneur Emers Faé, son coaching. Certaines erreurs de coaching.
Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Déjà, je suis entièrement d'accord avec Nasser. Hein. Les choix des hommes posent problème. Mm-hmm. Nous qui suivons régulièrement les championnats ivoiriens, je pense qu'il y a des joueurs qui mériteraient plus que certains de figurer dans cette équipe-là. Tu aurais apporté un peu plus de dynamisme, un peu plus mm-hmm. d'efficacité mm-hmm. dans cette équipe-là, parce que clairement, on a manqué d'efficacité, on a manqué de percussion, on n'est pas allé chercher cette équipe nigérienne. Donc clairement, le choix des hommes pose problème. Mais c'est pas une surprise. Parce que MS Faye, moi, je pense que le casting n'est pas bon là pour cette équipe de jeunes. Parce que coacher une équipe de jeunes, on va dire constituée à 80% de joueurs locaux, il faudrait quelqu'un qui maîtrise. Tu connais l'environnement, tu connais ces jeunes-là, tu les as vus grandir. Alors que MS Faye, certes, il a l'expertise, mais cette expertise, elle n'est pas locale. Cette expertise est extérieure. Il a une mentalité, un vécu qui est différent mm-hmm. de la réalité du terrain. Donc je pense que là, il y a eu clairement une erreur de casting. Mm-hmm. Là, je souhaite en tout cas que pour ces catégories de jeunes, il y ait des entraîneurs, on va dire nationaux, des locaux, qui sont en fait, qui sont dans la réalité, qui puissent coacher. Donc clairement là, à tous ces niveaux-là, il y a eu des manquements et... Mm-hmm. Évidemment, on paye cash. Alors, si on regarde du côté du Niger, c'est vrai que le Niger a pu avoir recours à ses pros, à certains hein, qui jouent notamment à Lyon, à Ajaccio. Comment se fait-il que nous, on n'ait pas réussi à libérer nos éléphants pros? Oui, mais ceux que vous citez ne sont pas forcément des pièces maîtresses dans leur club respectif. Mm-hmm. Le Nigérien de Lyon, je pense qu'il doit être en équipe réserve, même pas, en équipe de jeunes même, mmh. carrément. Donc, mais par contre, quand vous avez un Amad Diallo qui est titulaire en Première Ligue et qui performe mine de rien en ce début de saison avec son club, c'est difficile pour eux de se séparer de lui. Mmh. Quoi. Donc, bon, les réalités sont diverses, on va dire. Mmh. Ouais. D'accord. Oui. Pour rebondir, oui, si allez-y. Vous permettez. Pour dire, en fait, il ne faut pas se focaliser sur les effectifs. C'est vrai que quand vous voyez les équipes dans lesquelles ces joueurs-là jouent, tout de suite, vous pensez que ce sont des super joueurs, mais ce sont des jeunes joueurs. Et en termes de qualité de joueurs, la Côte d'Ivoire est largement supérieure. L'entraîneur nigérien l'a dit. Il dit qu'il a senti les Ivoiriens un peu hautains, pour dire qu'ils nous ont pris de haut. Mm-hmm. Exactement ce que l'entraîneur, je traduis exactement ce que l'entraîneur nigérien a dit, que les Ivoiriens étaient un peu trop hautains. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire match nul 0-0 là-bas, ils étaient trop confiants. Et je pense que ça a amené quelques relâchements en termes de choix de joueurs, en termes de motivation, en termes d'agressivité même dans le jeu. Je pense que c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui nous ont fait perdre cette qualification. D'accord. Alors, autre fait hein, qui fait beaucoup parler, je dirais, il y a un mois, le président de la Fédération ivoirienne de football et son staff sont allés en France pour rencontrer les U23 professionnels. À cette occasion, il leur a fait savoir qu'il comptait sur eux. Le constat est qu'aucun n'a pu participer aux deux matchs. Bon, quelle analyse est-ce que vous faites de cette situation, Nasser? Oui, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que je répète, c'est-à-dire qu'on est dans une date FIFA, c'est difficile pour les clubs de se séparer de ces joueurs-là qui sont des pièces maîtresses de leur club, qui sont décisifs. On a parlé de Konaté Karim, de Diakité Oumar avec Liefering, de Amad Diallo aussi du côté de l'Angleterre. Donc, voilà. Oui, mais d'accord, mais ça, on savait tous que ça allait être quand même difficile d'avoir ces joueurs. Oui, mais donc pourquoi initier une telle rencontre alors qu'on n'a pas connaissance qu'il l'ait fait avec les joueurs locaux? Betty, ça, il faut qu'on pose la question à la CAF, pourquoi cette programmation? On ne comprend pas, mais le calendrier est tellement dense uh-huh. qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à trouver des dates pour toutes les catégories, pour toutes les compétitions. Non, c'est pas ce que je dis, Nasser Eddy. Je dis juste, pourquoi est-ce que le président de la FIF et son staff sont allés rencontrer les pros en France ne l'ont pas fait avec les pros locaux? Justement. Vous pensez pas que ça pose quand même... Ça soulève quelques questions, excusez-moi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est ce que j'essayais de dire tantôt. Pour dire qu'il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit pragmatique dans ce qu'on fait. Voilà. Quand vous rencontrez tous ces joueurs-là, U23, avec le coach U23, et que pour jouer le match, ils n'y sont pas, c'est pas logique. Ah. Non, mais vous devez rencontrer... Je termine. Pour dire que quand vous êtes conscient de tout cela, c'est vrai, à l'avenir, on pourra avoir ces joueurs-là, ça pourra faire une très bonne équipe. Mais quand vous savez que vous avez deux matchs importants, immédiats,
et qu'il y a des possibilités, que vous n'ayez pas ces joueurs que vous avez rencontrés là. C'est avec ce que vous avez et qu'il faut faire. Donc la priorité, c'est de rencontrer les joueurs locaux, c'est de préparer les joueurs qui sont sur place pour pouvoir déjà passer le, on va dire, ce tour-là pour se qualifier. Mm-hmm. Et puis après, rencontrer tous ces joueurs-là, faire un groupe élargi. Mm-hmm. Voilà. Je pense que tout ce qu'on fait doit être logique. Et je pense que dans ce cas de figure, ça manque de logique. D'accord. Je vous propose de regarder un extrait de la conférence de presse d'après-match. Regardons ça. On est déçus. Hein. On avait des ambitions d'aller à la CAN, d'aller aux Jeux Olympiques. Malheureusement, ça tous nos rêves, tous nos espoirs, ça s'arrête au premier tour pour nous. Donc on est, non, je suis déçu. Et encore une fois, s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux matchs. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous, mais en tout cas sur l'engagement, ils ont été au-dessus de nous. Et nous étions ici pour la terre ivoirienne, pour nous qualifier. Et je crois que les journalistes qui étaient là présents étaient vraiment sceptique. Ils pensaient que on blaguait tout simplement, excusez-moi de l'expression. Mais sérieusement, nous savons que nous pouvons battre cette équipe. On devient une très belle équipe, une équipe talentueuse. Je vous l'avais dit, c'était un match piège parce que 0-0, il suffisait seulement que nous, on marque un but pour leur mettre la pression. Et c'est ce qu'on a pu réaliser. C'est le lieu de féliciter vraiment les joueurs qui ont été vraiment très, très, j'allais dire, présent dans le match, du début jusqu'à la fin. Cette victoire leur appartient. Et nous dédions cette victoire à tout le peuple nigérien. Merci. D'accord. Allez, rapidement, réaction des propos du sélectionneur. Oui, bon, Emers Faye nous dit que si on est éliminé en aller-retour face au Niger, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous. Uh-huh. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? On n'apprend rien de cette conférence de presse. D'accord. Oui, je pense qu'en termes de communication, là encore, il y a un gros souci. Il faudra corriger ce genre de propos-là, parce que c'est une évidence. Si vous êtes éliminé, c'est parce qu'ils sont meilleurs que vous. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a mis là, on vous a mis pour autre chose. Donc, il faut nous donner des justificatifs, il faut nous expliquer pourquoi vous êtes éliminé. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut entendre. D'accord. Dernière question. Emers Faye, il faut le garder ou s'en séparer? Écoute, il n'y a pas eu que du mauvais, je pense. Et puis, on va arrêter tout le temps d'être dans un éternel recommencement, un éternel chamboulement. Je pense qu'on pourrait le garder, mais il faudrait réajuster quand même le staff à certains niveaux. Moi, clairement, je le dis et je le répète, l'équipe A, c'est-à-dire l'équipe Fagnon, on peut se permettre de prendre des expatriés. Et même, je souhaite même que ce soit des expatriés, parce qu'ils apportent une expertise qui est nécessaire. On peut avoir le débat. Mais je veux dire que toutes les autres catégories de jeunes, pour moi, on doit permettre aux entraîneurs nationaux, locaux, de pouvoir, je dis nationaux parce qu'Emers Faye, il est ivoirien de toute façon, mais quand je dis les locaux, ça veut dire que ceux qui sont au contact de ces jeunes au quotidien, qui les ont vu grandir, qui les ont formés, je pense que ce serait pour eux l'occasion de s'aguerrir et de pouvoir, je pense que ça va donner une autre musique. Emers Faye, il peut être actif, il est l'adjoint de Gassé, je pense que c'est bon. Il peut être à la DTN parce qu'il a cette expertise là au niveau de Nantes pour aider à la formation des jeunes. Mais là, à ce poste-là, je pense qu'il faut quelqu'un d'autre, à mon avis. D'accord. Alors avant de refermer, pleine lucarne, je vous propose de regarder les résultats de la Ligue 1 ivoirienne. Voilà, la Zidane Gourou s'impose face au FC San Pedro 1-0. Les Limans de Sassandra et les Lions d'Abidjan coupent la poire en deux, un but partout. Le Stella d'Abidjan bat l'USC Bassam 1-0. Et l'AS Dengele continue sur sa belle lancée, atomise l'US Bafing, 3-2. Rapidement, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce bon début de saison de l'AS Dengele? Ah oui, nous, nous sommes au quotidien avec ces joueurs-là. On voit une équipe de Dengele, il faut rappeler, qui vient d'arriver en première division. Absolument, hein. Absolument. Elle montre beaucoup de qualités. Et puis surtout, dans l'envie, dans l'engagement, on voit une superbe, une belle équipe de Dengele avec des joueurs qui performent. On a un attaquant, en somme, qui fait très mal, hein, qui dynamite pratiquement toutes les défenses. Donc, et puis on a eu droit à un super match Dengele-Bafing. Oui. C'était vraiment très intéressant. C'est un championnat qui monte en puissance. Eh bien, très bien. Allez, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant parce qu'on a encore pas mal de choses à vous proposer. Je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct jusqu'à 21h30. Ne bougez pas.
C'est la deuxième partie de l'émission. Merci d'être avec nous dans NCI Sport. Et je vous rappelle qu'on sera avec vous pour vous donner les dernières informations sportives tous les lundis soirs à partir de 20h30. Et puis pendant la Coupe du Monde, eh bien, on sera là tous les jours pour vous la faire vivre de l'intérieur. Et justement, eh bien, on va poursuivre notre programme avec Destination Qatar. À 20 jours de la Coupe du Monde, quel est l'état de forme des Lions indomptables? Commençons par le leader de l'attaque depuis l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'encadrement des Goons. Lors des deux premiers matchs de l'ère Blanc, Toko Ekambi n'a eu que très peu de temps de jeu avec les Goons. 5 minutes contre Rennes et 25 face à Montpellier. En 12 matchs, Karl Toko Ekambi totalise 4 buts et une passe décisive. Au Qatar, on attend plus du Lyonnais. Aboubakar against Coffey. Aboubakar. 1-1. No doubt about that. Ça, c'était avant. Convoqué récemment pour les matchs de préparation contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, Vincent Aboubakar a été muet. S'il y a un Camerounais qui respire la grande forme en ce moment, c'est bien Franck Zambo Anguissa. Le milieu de terrain a pris une nouvelle dimension du côté du Napoli. Buteur et passeur, il est sur un nuage en ce moment. Il est considéré comme la pierre angulaire du système du Cameroun avec sa grosse activité et son physique imposant. Au Qatar, il sera important pour les Lions indomptables. Très souvent écarté par Conseil Sao, l'ancien coach des Lions indomptables du Cameroun, Éric-Maxime Choupo-Moting devrait être au Qatar. Auteur de 2 buts en 6 matchs en Bundesliga avec le Bayern Munich, l'ancien attaquant du PSG devrait être du voyage au Qatar pour apporter son expérience aux siens. En dehors de ces cadres, la tanière des Lions indomptables regorge de talents au croc bien acéré, à même de faire briller le Cameroun dès le jeudi 24 novembre face à la Suisse. Voilà, vous l'avez compris, comme toutes les semaines jusqu'au début de la Coupe du Monde, eh bien, on va vous donner les dernières nouvelles. On va faire le point sur les nations d'Afrique subsaharienne qualifiées, justement, qui vont défendre les couleurs du continent. Alors, la semaine dernière, on parlait du Sénégal. Ce soir, eh bien, on fait un focus sur les Lions indomptables du Cameroun, qui affichent de grandes ambitions, malgré les prestations pas toujours XXL de certains cadres. Alors, on l'a vu dans cet élément, messieurs. Déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer ces performances en dents de scie des joueurs camerounais? Ben, c'est partout comme ça, je veux dire. Dans un groupe de 23, 26, 30 joueurs, un groupe élargi, vous avez forcément certains qui sont à différents stades de leur carrière, qui connaissent des passages à vide. La carrière de tout footballeur est faite ainsi. Après, on reviendra peut-être sur les cas particuliers. On y va tout de suite d'ailleurs. Allez, Karl Toko Ekambi, voilà, oui. Parlons de lui. Karl Toko Ekambi, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, on va dire qu'il est un peu victime du remaniement de Laurent Blanc, notamment au niveau du système de jeu de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, ça fait que 3 matchs, je pense que Laurent Blanc est là, donc ce n'est que le début. Ça va venir petit à petit. D'accord. On a vu également Vincent Aboubakar avec son club de Al Nasser en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement pour le Cameroun? Justement, vous me donnez l'occasion de dire que pour les Camerounais, il ne faut jamais s'inquiéter pour les Camerounais avant une compétition. Parce qu'avant, c'est toujours compliqué pour les Camerounais. Si ce n'est pas les joueurs qui sont en méforme, c'est toujours des problèmes logistiques. Il y a tout avec les Camerounais avant la compétition. Mais une fois que la compétition commence, ils redeviennent des compétiteurs. Ils se subliment dans la compétition. Très souvent, les Camerounais, c'est pour ça qu'ils ont cet ADN-là quand ils arrivent en compétition. Donc avant, il y a toujours à dire, à boire et à manger, c'est clair. Donc, il ne faut pas se fier à ça, forcément. Vous ne vous inquiétez pas? Non, moi, je ne suis pas inquiet parce que nous sommes habitués. Et puis, quand vous voyez l'équipe du Cameroun aujourd'hui, ce n'est plus l'époque de
ces grands joueurs qu'on a connus, même le président de la fédération aujourd'hui, qui est Eto'o, il sait très bien qu'en termes de qualité, ça baissait considérablement. Vous avez quoi? Vous avez une colonne vertébrale, certes. Vous avez un gardien Onana qui, aujourd'hui, est titulaire à l'Inter. Vous avez, on en parlait tout à l'heure, Zango Aguissa, il rayonne, il est formidable. Choupo-Moting aussi, qui est dans une belle forme. Oui. Le Cameroun retrouve quand même une ligne d'attaque qui fait plaisir à voir. Il y a Choupo-Moting, il y a Vincent. Nkoulou en voilà, Nkoulou qui revient, qui est un doyen, qui a de l'expérience. Mais quand vous enlevez cette colonne vertébrale-là, à côté, c'est limite. Non, vous comprenez? Moi, je ne suis pas très d'accord. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que là, on arrive à une compétition qui est tellement élevée. Tu as un niveau vraiment très, très élevé. Donc, ces joueurs dont on a parlé, c'est vrai, ils ont de la bouteille, mais à côté, il faudrait un groupe solidaire. Non, je pense que sur les côtés, quand même, ils ont de très bons pistons et on les a vus à la CAN, hein, nous, Tolo et Faye Collins. Donc, moi, je pense que quand même, je trouve, en tout cas personnellement, qu'ils ont un effectif plutôt complet. Voilà, sur toutes les lignes, ils sont plus ou moins servis. Après, pour ce qui est du cas de Vincent Aboubakar, il faudrait peut-être s'inquiéter, mais bon, avec Choupo-Moting au bon moment qui revient en forme, ça peut combler ce vide-là. D'accord. Autre gros sujet concernant le Cameroun, c'est le cas Rigobert Song, qui va disputer sa première Coupe du Monde en tant que technicien à 20 jours de la compétition. Ben, quelle est sa situation? Regardez. ...29 mars 2022. Stade Mustapha Chaker de Blida, en Algérie. Après 120 minutes de jeu, les Lions indomptables jubilent. Ils viennent de s'offrir l'un des 5 tickets africains pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Les Fenech, eux, n'en reviennent pas. Ils ne verront pas le Qatar. Alors qu'ils étaient en pole position après leur victoire à l'aller au Cameroun. Un coup dur, un autre échec après la désastreuse CAN sur les terres de ceux-là même qui les privent de la plus grande compétition de football. Un homme qu'on disait être en danger a réussi le coup parfait. Ce genre de coup qui vous hisse au rang de héros national. Il s'agit de Rigobert Song. L'ancien défenseur intraitable des Lions indomptables a réussi là où très peu de personnes l'attendaient. Dès lors, le peuple camerounais s'est mis à rêver. Avec Song, la mélodie était belle à entendre et les supporters voulaient en entendre davantage. Sauf que des mois plus tard, la cadence a changé. Les avis sur le technicien aussi. 5 matchs, 2 victoires et 3 défaites. C'est le bilan qu'affiche Rigobert Song à la tête des Lions indomptables. Ces statistiques, loin d'être rassurantes, les inquiètent au plus haut point. En effet, l'optimisme de la qualification a fait place à des doutes. Si les Lions indomptables ne présentent pas un fond de jeu clair, à même de mettre en confiance ses supporters, ce sont les choix tactiques du sélectionneur qui suscitent débat chez les observateurs avertis du football camerounais. Ajoutez à cela les défaites face à l'Ouzbékistan 0-2 et contre la Corée du Sud 1-0 lors des récents matchs de préparation qui se sont joués le mois dernier, on comprend les inquiétudes des supporters camerounais. Certains veulent même voir les Lions indomptables au Qatar sans Rigobert Song. Faut-il les écouter? Alors rapidement, messieurs, quand on regarde les stats de Rigobert Song, 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, certains Camerounais réclament sa démission. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous? Non, du tout, du tout. Et ça ne devrait même pas l'être. Parce que les 2 victoires sont les 2 victoires des matchs les plus importants des 5 qu'il a eu à disputer. Et c'était face à l'Algérie au match retour. Oui. Il avait un objectif, il l'a atteint, c'était qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. C'est fait. La deuxième victoire, c'est face au Burundi en éliminatoire pour le début des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique ici. Il a remporté aussi. La défaite face à l'Ouzbékistan fait peut-être un peu tache d'huile, mais ça va. Je pense que ce n'est pas pour autant qu'on va demander le départ de Rigobert Song. D'accord. Eric? Non, c'est clair que l'euphorie est tombée. Parce que, ouais, c'est clair. Ce n'était pas forcément quand il était nommé le sélectionneur le plus, on va dire, capable de prendre cette équipe-là. C'est un pari risqué qu'Eto'o a pris. C'était un pari gagnant.
parce qu'il qualifie le Cameroun. Bien sûr. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, hein, toutes ces péripéties avant la compétition des Camerounais, on connaît, on est habitué. Il y aura du bruit, ça va beaucoup parler. Mais Sang, il mettrait son groupe. Il y a une ambiance qu'il a créée. Il connaît ses éléments. Il sait avec qui il ira au combat. Et moi, je les attends là. Avec le Cameroun, dans la compétition. C'est là que ça se passe. C'est là, oui, c'est dans c'est le mental. Dans la tête. Et lui, Sang, il connaît le mental. C'est le mental. Donc, absolument. C'est un groupe qui est constitué. Ne vous en faites pas. Moi, je pense qu'ils seront présents dans la compétition. Peut-être pas forcément, évidemment, pour gagner. Mais en tout cas, vous aurez des guerriers, moi, je n'en doute pas. Ah ben, l'objectif, c'est de gagner, hein, selon le président de la FECAFOOT. Ben, je pense qu'il se laisse un peu aller. Alors, on va regarder le programme des matchs du Cameroun dans la poule G. Allez, 24 novembre, Cameroun-Suisse. Ça va se jouer au Al Janoub Al Wakra. C'est le nom du stade. 28 novembre, Cameroun-Serbie, toujours dans le même stade, hein, Al Janoub Al Wakra. Et puis, le 2 décembre, Cameroun-Brésil au Lusail Iconic Stadium. Voilà, un petit mot justement sur... Oui. Ouais. On peut le dire, hein, moi je pense que c'est un très bon calendrier pour les Camerounais. Ouais. Ils commencent contre la Suisse, oui, parce que d'entrée, vous prenez la Suisse. Si vous arrivez à faire un bon résultat contre la Suisse, et vous devez faire un bon résultat, si vous voulez vous qualifier, vous battez la Suisse. Après, vous avez la Serbie. Vous battez la Serbie contre le Brésil, vous pouvez dormir. Ouais. Mais si vous avez le Brésil en premier match... et que vous faites limer au premier match, la dynamique, elle est cassée. Babou, et ça peut, après, derrière, compliqué. En vous écoutant, ça semblerait tellement facile face à la Suisse et à la Serbie. Ah non, mais il le faut. Ils sont obligés, moi, sinon... Moi, je pense que parmi les équipes africaines, c'est l'une de celles qui a eu le groupe le plus difficile, quand même. Bon, on n'est pas tous d'accord. Mais bon, ça n'engage que vous, ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Oui, mais toujours est-il qu'ils ont annoncé des ambitions. Oui. C'est de remporter la coupe, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Absolument. Ça suppose qu'il faut passer sortie du groupe. Et comment sortir du groupe? Je pense que c'est mieux de commencer par la Suisse, après la Serbie, et puis après le Brésil, si 90% de chance. Voilà. Mais déjà, si vous gagnez vos deux premiers matchs, vous pouvez voir venir. D'accord, très bien. Allez, une nouvelle pause hein, dans ce numéro de NCI Sport. Juste après, eh bien, on sera en confrontation directe avec notre invité, Zoro Marc, qui sera avec nous sur le plateau. Alors, restez avec nous. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport pour la troisième et dernière partie de l'émission. Oui, ça passe très, 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 très vite. Mais bon, on prend beaucoup de plaisir à être avec vous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Alors, troisième partie égale confrontation directe. Et vous le savez que la Côte d'Ivoire assiste depuis plusieurs semaines à un bras de fer hein, entre deux associations. D'un côté, l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens de Cyril Domoro. Et de l'autre, l'UFPCI, l'Union des footballeur professionnel de Côte d'Ivoire, nouvellement créé avec à sa tête Zoro Marc. La naissance de l'UFPCI agite le football ivoirien. Et bien pour essayer pardon, de comprendre ce qui se passe, il est avec nous, il est en plateau. Bonsoir Président. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et merci ben, de répondre à toutes nos questions parce qu'on en a beaucoup pour vous. Voilà, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Alors avant de passer hein, à la confrontation directe, eh bien, je vous propose de regarder cette vidéo qui nous replonge au cœur de cette affaire. Nous avons constaté que l'honneur et la vie de nos joueurs sont plus réjouissantes. Nos joueurs sont dans de mauvaises conditions. Nos joueurs sont malheureux, nos joueurs sont tristes. Soyons honnêtes, nos joueurs n'ont plus de valeur. Regardez, on connaît même le nom des présidents plus que les joueurs. Moi, je connais le nom du président du Boaké, d'Azidabé, mais je connais même pas. Alors, Zoro Marc, première question, pourquoi avez-vous décidé de créer l'UFPCI? On a décidé de créer l'UFPCI, mes amis et moi, parce qu'on a vu que les joueurs étaient quand même en difficulté. Les droits n'étaient pas respectés. Et la vie footballistique était quand même en difficulté. Donc, on a décidé de mettre cette association en place pour mieux les assister et de défendre aussi les droits. Bon, vous étiez vous-même un membre de l'AFI. Je ne l'ai jamais été. D'accord. Alors, est-ce que, parce que dans toutes les raisons que vous m'avez citées, hein, est-ce que la dernière crise qu'il y a eu lors de la dernière élection hein, à la présidence de la FIF a également joué dans la balance? Franchement, Tia, je ne le sais pas. Vous savez, l'unilatéralisme du football aujourd'hui amincit nos chances. Raison pour laquelle on se retrouve
dans cette défaite-là, avec le Nigeria et plusieurs problèmes. Il faut quand même élargir les chances de nos joueurs. Avoir deux ou trois associations n'est pas pour moi un souci. La FIFA peut exister et l'Union des footballeurs peut exister. Et aussi, une autre association vient, c'est toujours le football ivoirien qui prend de l'envol. Donc moi, je pense que, à mon sens, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème, sauf celui qui veut vraiment apporter un problème. Oui, bon, on comprend hein, ce que vous dites, Zoro Marc, mais honnêtement, vu le timing, ça laisse quand même un brin pensif. Voilà, c'est quoi on le, s'interroge. Timing, le timing? Oui, mais le timing, parce que clairement, il faut qu'on se le dise, hein, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on perçoit cela comme la prolongation de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Clairement, il ne faut pas qu'on se le cache. Et on le voit même sur la table d'honneur avec vous. Tous ceux qui vous entourent sont naturellement ceux qui étaient du côté du projet Renaissance. Pour tous ceux qui étaient sur, autour posez de la question, table. Posez votre question, s'il vous plaît, Nasser. Donc, franchement, moi, je veux que vous nous dites de façon véridique quelle est la vraie raison de la création de cette association. Je pense que plus que ce que je viens d'annoncer à Tia et à vous aussi, il n'y a pas plus limpide que ce qui est sorti de ma bouche. Vous savez, ces personnes sont autour de moi parce que c'est des personnes que je connais mieux. C'est avec eux, j'ai passé 3 ans en train de travailler. Il n'y a pas que ces personnes autour de moi. C'est des anciens footballeurs avec qui j'ai marché aussi. Et il y a aussi des grands frères comme Otokore que je connais bien, qui ont été avec la FI en son temps. Donc ils connaissent un peu le milieu footballistique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je me suis entouré de ces personnes. Sinon, il n'y a aucun prolongement des élections de la FIF. Nous, je veux dire, Didier a perdu, on passe à autre chose. Et puis, je vais vous le dire encore, si nous et mes amis avions créé le syndicat, c'est parce qu'on a voulu venir à la fédération pour défendre les droits de ces joueurs. Donc, c'est aussi, je peux dire, le prolongement de nos idées, même pas parce qu'on doit préparer une élection ou encore se venger d'une élection, je pense que ça n'a pas droit d'être. Bon, alors pour que les choses soient claires, hein, c'est vrai qu'on va mettre les pieds dans le plat, hein, je remarque. Oui. Certains observateurs pensent que Didier Drogba est derrière la création de cette association. Qu'est-ce qu'il en est? Non, Didier n'est pas là-dedans. Mais je vous l'ai dit, de ce pas, je vais l'appeler parce qu'il faut qu'il nous accompagne. Didier est le président d'honneur de la FIF Pro. Donc, par ricochet, il a un droit de regard sur cette association. Et puis, il est ivoirien. Il s'est battu un temps soit peu pour être à la tête de cette, comment on appelle, de la fédération. Ça n'a pas marché. Donc, si vraiment il a cette idée, encore cette volonté, c'est de nous accompagner. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour un individu, ni pour une association, mais c'est pour les jeunes joueurs. Donc, nous avons besoin de Didier. Donc, vous êtes en train de nous dire que Didier Drogba n'était pas du tout au courant de la création de l'UFCI et qu'il l'a découvert comme nous tous. Tiens, Didier, c'est mon ami, c'est mon frère. Mm-hmm. Donc, du coup, il est au courant. Donc, mais il n'est pas membre de l'association, mais il sera membre, mm-hmm. puisqu'il y a aussi des membres passifs. C'est-à-dire des gens comme vous, mm-hmm. vous pouvez souscrire pour avoir une carte pour nous accompagner et vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Mm-hmm. Voilà. Donc, Didier sera membre et il est président de la FIF Pro. D'accord. Oh, Eric. Oui, je suis, on va dire, directement concerné par cette affaire, hein, puisque étant moi aussi ancien joueur, donc j'ai une appréciation, on va dire, un peu différente. Parce qu'il est clair que la création de cette nouvelle association va forcément envoyer, on le constate déjà, hein, un peu d'imbroglio dans la situation qui est déjà difficile hein, de notre football. Parce que là, il y a clairement un problème de légalité. Il y a clairement un problème de légitimité qui se pose aussi. Quand je dis légalité, c'est quoi? C'est que, évidemment, selon les thèses de la fédération, il y a une seule association qui est reconnue par la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est connu de tous. Un groupement qui est reconnu par la Fédération ivoirienne de football. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, il a dit, clairement, et l'intention est louable, hein, vous voulez aider les footballeurs ivoiriens, mais ces footballeurs ivoiriens-là, ils sont sous le couvert de la Fédération ivoirienne de football. Et comme la Fédération de football ne vous reconnaît pas, évidemment, vous avez le droit de créer une association. Mais quand vous n'êtes pas reconnu par la Fédération ivoirienne de football, qui est censée, elle, diriger les footballeurs ivoiriens parce qu'ils appartiennent à cette fédération-là. Logiquement, comment ça va se passer? Comment vous pourrez aider des joueurs qui sont sous le couvert d'une fédération, qui ne vous reconnaît pas concrètement? Comment ça va se passer? Eric, en tout cas, merci. C'est une très belle question parce que l'article 13 qui ne me reconnaît pas
parle d'un groupement d'intérêts. Je suis très conscient du fait qu'il doit avoir un groupement d'intérêts par association. Donc la fille est à sa bonne place. Mais pendant ce temps, je ne suis pas à la recherche d'un groupement d'intérêts, parce que quand on a un groupement d'intérêts, c'est parce qu'on doit avoir un droit de vote. Je ne suis pas venu pour un droit de vote, ni un groupement d'intérêts. Maintenant, où vous vous voyez, c'est l'article 27. L'article 27 dit les membres actifs de la fédération sont sous le couvert de la FIF. Les membres actifs sont les présidents des clubs. Les joueurs n'appartiennent pas à la fédération. Les joueurs sont comme des prestataires. Et puis quand vous lisez bien l'article 27 au point I, on nous parle d'une activité sportive. Je ne suis pas venu créer une activité sportive, ou bien nous ne sommes pas venus créer une activité sportive. C'est à cela que tous les membres actifs ne doivent pas participer. Nous sommes là pour le social, le civisme et la justice. Donc les joueurs... Je rebondis dessus, je finis, si vous permettez. Je finis, oui. Je finis. Laissez-le terminer. Oui, voilà. Les joueurs n'appartiennent pas à la fédération. Les joueurs sont membres de la FIF Pro, l'institution qui défend les droits des joueurs. Les joueurs ne sont même pas membres actifs. Donc là, vous faites faux bond. C'est juste pour vous éclaircir là-dessus. Voilà un peu. Non, vous n'arrivez, je rebondis, si vous permettez. Rapidement. Vous n'arrivez pas à éclaircir. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Les... Non, je vous l'ai bien saisi. Non, vous permettez. Ouais, allez-y. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi. J'ai été clair, j'ai dit clairement. Vous voulez aider des personnes, des joueurs. Oui. Vous dites qu'ils ne sont pas membres de la FIF. Oui. Mais c'est... On va dire, vous fuyez la réalité. Oui. La réalité du terrain, c'est quoi? Le footballeur ivoirien, parce que je le disais tantôt, c'est vrai que subitement... Vous voulez aider les footballeurs ivoiriens. D'accord, tant mieux, c'est une bonne chose, c'est le souhait de tout le monde. Mais ces joueurs ivoiriens, la réalité, c'est qu'ils appartiennent à des clubs. Non, non, je termine ma question. Est-ce que vous avez l'article 27? Est-ce que vous avez l'article 27? Je termine ma question. Est-ce que vous avez l'article 27? Je termine, vous aurez l'occasion. Non, il faut lire. Je termine ma question, s'il vous plaît. Il faut lire l'article 27. Je vais terminer ma question, vous aurez l'occasion de rebondir. La réalité, c'est que les joueurs ivoiriens appartiennent à des clubs. C'est ces clubs-là qui les paient. C'est ces clubs-là qui prennent soin d'eux. Okay. Donc, ils sont sous la responsabilité de ces clubs, de ces okay. présidents de clubs-là. Okay. Ces présidents de clubs-là sont sous la responsabilité d'une instance dirigeante qui est la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est fuir la réalité de dire « Ok, nous, on va s'occuper des joueurs à part et puis on ne s'occupe pas de la Fédération. » Non, Eric. Je pense qu'il y a un souci. Il faut d'accord. que vous soyez... Non, écoute, on va écoute, concis, Eric. S'il vous plaît, voilà. pour que tout le monde puisse s'exprimer. Non. Allez-y. Oui. Moi, je vais expliquer. Je vais expliquer à Eric qu'il n'a pas trop de connaissances. Excusez-moi, c'est pas vous offenser. Si, vous m'offensez quand vous dites si, ça. Parce que jusqu'à présent, on veut que vous donniez plus d'explications, non, mais vous m'offensez. Non, je vous ai donné plus de réalité. J'ai dit de lire l'article 27. Moi, je vous fais comprendre que les joueurs n'appartiennent pas à la fédération. J'ai fini. Je l'ai dit. Les présidents des clubs sont les membres actifs de la fédération. Les joueurs sont des prestataires. Quand un joueur n'a plus de licence, il n'appartient à personne. Il reste seul. Donc du coup, le joueur, il est libre. Il a le choix de s'affilier à n'importe quelle association pour défendre ses droits. Il va signer des licences après. Non, il signe cette licence-là. D'accord. À quelle fédération? Écoute-moi. Il va aller au Gabon? Écoute-moi. Et vous allez vous occuper de lui au Gabon? Oui, écoute. Si, bien sûr, parce que il faut comprendre que. Mais donc dites-le clairement. Non, attendez, c'est pour ça qu'on vous pose. Eric, s'il vous plaît. C'est pas un débat. Mm-hmm. Donc je suis en train de vous apprendre quelque chose. Nous agissons d'une manière élargie. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut s'occuper d'un joueur qui est au Bénin, qui est au Gabon, qui est en Chine. Puisque nous représentons une institution internationale qui est la FIF Pro. La seule institution qui défend le joueur est la FIF Pro. Le joueur appartient à la FIF Pro. Et ce n'est pas si je me fais comprendre. Après, parce que vous voulez nier quand même... Non, il nous reste 5 minutes d'émission, donc essayons d'avancer, s'il vous plaît, dans le débat, messieurs. Il faut me donner plus de temps. Comme mais ça, je vais expliquer de beaucoup de choses. Parce que pas. Les gens ne sont pas informés. Oui. S'ils sont informés, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. D'accord, c'est allez-y. Clair. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose de remarque. Oui. Vous êtes reconnu donc par la FIF Pro. Quelles sont les implications de cette reconnaissance? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire, la FIF Pro, pour l'UFPCI? Non, il faut savoir que la FIF Pro nous accompagne. Et de quelle manière? Voilà. À partir de la FIF Pro, on peut agir à l'international, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Gabon, au Mali, même en France, même partout, parce que c'est le rôle de la FIF Pro. Donc, il faut avoir ce mandat pour aller partout. Parce que quand vous n'êtes pas avec la FIF Pro, le boulot, il est limité seulement au côté local. Mm-hmm. Donc, voilà ce que la FIF Pro peut nous apporter. Il a aussi le soutien, il a des ouvertures, il a des formations, il a beaucoup de choses. D'accord. Voilà.
Aujourd'hui, l'UFPCI veut défendre les joueurs, mais vous trouvez les moyens où, concrètement? Vous savez, une association vit de ses cotisations. Voilà. L'UFPCI vit de ses cotisations, de ses membres. Et c'est à partir de là que la FIFPro vit avec un soutien, parce que nous faisons aussi le travail de la FIFPro. Donc c'est avec ça que nous allons avancer pour aider nos jeunes frères. Donc vous comptez sur les cotisations des joueurs pour aider ces mêmes joueurs? Non, pas les joueurs forcément. Je veux dire avec les membres, parce que nous avons aussi les membres actifs qui sont les joueurs, mais il y a aussi les membres passifs. Mm-hmm. Les membres passifs sont ceux aujourd'hui qui sont les fanatiques du football, mm-hmm. le citoyen lambda, mm-hmm. qui peut être membre passif. Mm-hmm. Il vient avec une cotisation de 2600 et il fait partie de l'Union des footballeurs professionnels. Si j'avais un peu plus de temps, je pense que j'allais être là dans mes explications, parce qu'il faut aussi parler du produit qu'on offre aux joueurs. Mais on va en parler dans un instant. On ne peut pas rester là pour discuter. Mm-hmm. Non, le président ne va pas accepter tout et tout. D'accord. Voilà. OK. Nasser, vous aviez une question? Non, en fait, je voudrais rebondir parce que Reste 3 minutes d'émission. Oui, quand il Allez-y. A cité tout ce que la... Mais il a répondu déjà parce que quand il a cité tout ce que la FIFPro apportait... Mm-hmm. Il n'avait pas parlé de la manne financière. Et je oui, mais c'est clair. Dessus. Parce que les gens pensent plus à la manne financière. Mm-hmm. C'est pas ce qui est le problème. Voilà. Tout à l'heure, Eric disait que les joueurs ils signent des licences avec les présidents. Mais quand ils sont abandonnés, qui est-ce qui les défend? C'est pas les présidents. Mm-hmm. Ils se retrouvent seuls. Mm-hmm. Donc il faut bien que quelqu'un les encadre pour les défendre. On a beaucoup de cas où les joueurs même n'ont même pas de contrat, mais ils ont des simples licences, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 58 joueurs. On a commencé, ça fait une semaine. On se retrouve avec 58 joueurs mm-hmm. qui sont avec nous, mais il y en a plus de la moitié qui ont des problèmes. Donc, quand on parle d'un président, on ne peut pas être un syndicaliste et être avec le patronyme. Mm-hmm. Donc, c'est quand même difficile. D'accord. Dernière question, Zoromark. Aujourd'hui, avec l'UFPCI, qu'est-ce que vous comptez apporter aux joueurs que l'AFI n'apporte pas? Non, je ne veux pas parler de l'AFI. Je veux parler de ce que l'Union des footballeurs professionnels peut apporter. Alors, allez-y. Et nous, déjà, on pense à la retraite des joueurs. Voilà, on a mis en place un produit pour l'arrêter de jouer. Il faut savoir que quand le joueur il arrête de jouer, après, il se retrouve en difficulté. Nous avons mis en place aussi une assurance qui va tenir le joueur quand il est blessé et aussi sa famille. Il faut savoir que nous projetons d'organiser les awards du football en Côte d'Ivoire pour permettre à un joueur, le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, pour avoir une maison, pour avoir des terrains, pour avoir une voiture, mais tout ça avec l'apport, c'est-à-dire la visibilité que nous allons offrir à nos membres passifs, parce que ça sera la population à voter le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, mmh. le meilleur gardien, la meilleure équipe, ce qui va permettre aussi à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de venir au stade mmh. et d'avoir un droit de regard sur le championnat. Mmh. D'accord. Merci, Zoromark. Merci. C'était court, mais on a appris beaucoup de choses. Très, très, très court. Ce sera l'occasion de revenir sur le plateau de NCI Sport. Ouais. D'accord. Allez, merci beaucoup aux consultants, Nasser Eddy, merci Eric Babou. Ce soir, ouais. Super. Non, parce que moi, je suis quand même surpris parce que j'aurais voulu qu'Eric soit quand même informé, qu'il lise l'article 27, qu'il voit dedans. Non, vous allez me relancer. Allez, non, s'il vous plaît. Allez, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup. Allez, le prochain rendez-vous de NCI Sport, c'est lundi prochain. On vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI. À bientôt.